Parades en pirogue et danses guerrières. Voilà les deux temps forts de cette fête annuelle. Nous sommes à la traditionnelle fête de génération de Béini à Mohossou, ce village situé au nord-est de Grand Bassam. Après près de 40 années de règne, la génération Blénipoué passe aujourd'hui le flambeau à la génération Blessoué. À partir de ce lundi de Pâques, c'est cette dernière qui va détenir le pouvoir exécutif à Mohossou pendant au moins 30 ans. Ici à Mohossou, on a tendance à dire que le roi règne, mais ne gouverne pas. C'est les générations qui gouvernent, qui ont le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui prennent les grandes décisions, les lois, tout ça là. De chaque génération découlent 4 classes d'âge ou catégories. Les Atimblés, les aînés, les Baoulés qui sont les chefs guerriers, les Djamiens Melimbé, les Kadis et les Djamiens, les Benjamins. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de la cérémonie, a été fait membre du Djamien Melimbé, la 3e classe d'âge. Ce qui lui a valu une prestation avec les autres membres de cette catégorie. Ahmed Bakayoko, après avoir fait un don de près de 6 millions de francs CFA au nom du chef de l'État, salue ce modèle de démocratie. Les sociétés qui n'organisent pas très bien la gestion du pouvoir créent elles-mêmes les prémices des crises. Nous devons tirer profit des enseignements de ce modèle d'organisation. C'est important. Il faut attendre sereinement que ton tour arrive. Et quand ton tour arrive, tu attrapes le pouvoir dans le bonheur, dans l'harmonie, avec la bénédiction de tous. La fête des générations est aussi un moment de découverte et de curiosité pour les participants. Ce que j'ai vu, c'est vraiment l'Afrique profonde. C'est le mysticisme, c'est formidable. Et vraiment, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai apprécié surtout cette succession de la génération et de transfert de la responsabilité de gérer. Cette fête des générations à Mohossou est le symbole même de la préservation des valeurs traditionnelles et l'épanouissement du peuple abouré.